à toi, ici c'est ton gars sûr, tonton Gib, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce top 10 du mois de juillet. Brother, le Sneaks of the Month. Yes, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à affronter ce top 10 avec un masque de soudure pour ce mois de juillet brûlant et cool à la fois. Pour notre petit concours photo Instagram, je rappelle, comme je vous l'ai déjà dit le mois dernier, en raison d'une moindre fréquentation sur les réseaux sociaux pendant l'été, parce que tout le monde est en vacances, le concours reprend en septembre. Donc ce sera avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2018, tout attaché. Pour ceux qui prennent le TGV en marche, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, c'est la vidéo où j'explique le concours, le pourquoi du comment, etc. Passons au top 10 du mois de juillet, un mois plutôt varié. N'oubliez pas que ce n'est pas un classement travaillé uniquement selon mes goûts personnels et la cote des chaussures. Beaucoup de critères rentrent en compte, la beauté, l'originalité, la collaboration, l'histoire, le shape, etc., etc. Et bien sûr, comme je le dis à chaque fois, la cote reste importante car elle est le résultat d'un avis général, en général, parce que ça peut être aussi le résultat une paire très limitée. Donc faut prendre tout ça en compte. Il y a plein de critères à prendre en compte. C'est pas un classement fait n'importe comment au hasard. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Juste après le top 10, n'oubliez pas la catégorie challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Le top 10, c'est parti. Numéro 10. Deuxième réédition pour ce colorway OG de la Nike Air Max 95 Solar Red. La paire de 1995, donc, hein, comme son nom l'indique, est revenue avec cette couleur emblématique du modèle. C'était le 19 à 170€. Il en reste encore. Numéro 9. Une très jolie paire, couleur de saison sur un modèle classique, historique et légendaire, la Nike Blazer. Fruit d'une collaboration entre le skater pro, acteur et artiste de 54 ans, Lance Mountain. Une légende lui-même, la Lance Mountain et Nike SB Blazer en daim bleu avec une rose sur le talon est sortie le 10 juillet à 110€. Il en reste encore. Numéro 8. Celle-ci, je voulais présenter en exclusivité la collab entre un shop américain lourd, Concept, et Adidas Consortium sur le modèle Energy Boost. Cette dernière est surnommée Chiatsu. La paire est placée sous le signe de la détente, du calme, etc. Si vous voulez tout savoir, je vous invite à regarder le OMG Sneakers numéro 91. Simple et technique, la paire divise. Elle est sortie le 28 en Europe autour des 180€ selon les shops. Numéro 7. Alors ça, pour l'instant, c'est une sortie US qui a fait un léger flop, hein, tout de même. Tu as beau mettre un nom sur une collaboration, en l'occurrence, on parle de Doncy avec sa marque Just Don, qui d'habitude nous sort des JoJo légendaires, et bien comme quoi, c'est pas gagné d'avance. De toute façon, dès que tu commences à faire de l'hybride, tu prends un risque. Là, avec ces Just Don et Jordan Legacy 312, on voit bien le mélange entre la Air Jordan 3, la Air Jordan 1 et la Nike Air Alpha Force 2. Je pense qu'il a voulu faire comme Spike Lee avec la Spizike, mais cette release est dans ce classement, déjà pour son nom, mais aussi pour son concept intéressant de reprendre des colorways populaires comme la Storm Blue, le Ghost Green et surtout la Trainer 3 Medicine, la Command Force et mon préféré, la Tech Challenge 2, sortie le 11 à 160$. Juste, la Storm Blue est sortie le 14, vendue uniquement in-store chez Kiss. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est très possible de les voir sous peu en Europe. Numéro 6. D'habitude, à part la Human Race, les collabs Pharrell Adidas, c'est pas trop ça. Mais celle-ci, pour le coup, est réussie. Sold out, la Pharrell et Adidas Crazy BYW Ambition Pink Pack. Elle est très belle, deux paires White Pink et une Black Pink, dans le style Pharrell, avec les mots Ambition brodés sur le upper. Sortie en édition limitée exclusivement sur adidas.com le 13 juillet à 250€. Numéro 5. Je voulais présenter avec un certain plaisir le troisième colorway Adidas Yeezy 500, la Utility Black, est sortie le 7 juillet à 200€. Si vous voulez en savoir plus, c'est le OMG Sneakers 90 sur ma chaîne. Numéro 4. Je suis très content de pouvoir mettre une collab Foot Patrol et ASICS dans un top 10. Et la Foot Patrol et ASICS Gel Saga Gundam, qui rend hommage au manga Mobile Suit Gundam. La paire est simple et cool, mais je vous parle surtout de la spéciale box sortie le 28 chez Foot Patrol London et Paris. Les 25 premiers clients de ces deux boutiques ont eu droit à un vrai packaging de collectionneur geek, comme une boîte de jouets japonais avec la figurine et un vrai bon délire. La paire sortira ensuite le 11 août de manière un peu plus large, à 140€, je vous mets le lien dans la description. La MIF.
Numéro 3, la Air Jordan 3 K54 est très réussie, tout comme l'événement K54 qui a eu lieu le 7 et 8 juillet sur la pelouse de Rugy. J'ai fait un petit vlog sauvage là-bas d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais là, c'est pour le modèle Friends and Family qu'on est à la 3ème position. La paire sortie à 54 exemplaires en théorie, hein, comme d'habitude. Maintenant, malheureusement, on n'est plus sûr de rien. La paire est juste au maximum, distribuée aux artistes et à quelques chanceux. Elle se revend actuellement autour des 2000 à 6000 euros, si vous arrivez à en trouver, bien sûr. Numéro 2, la magnifique Off White et Nike Air Presto dans une deuxième version. Cette paire est superbe, je suis fan. Je vais pas vous refaire le portrait Off-White, Virgil Abloh, Nike, tout le monde connaît maintenant, je pense. Elle est sortie le 27 à 150 euros via raffle uniquement, malheureusement. And the number one is le pack Nike Para Spiridon Air Max 1 2018, obligé. Ce n'est pas le plus coté de ce classement, quoi qu'on peut lui ajouter le modèle Friends and Family, et là, on est dans le plus coté. Mais ce genre de collab dans notre petit monde, c'est juste la base. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le OMG Sneakers 92 sur la Spiridon, un bon récap historique, et le pourquoi du comment Para, c'est du lourd. Le pack surnommé Polka et Stripes est sorti le 21 juillet à 130 euros pour la Spiridon, et 150 euros pour la Air Max 1, accompagné d'un survêt tracksuit, et pour les plus chanceux, la Friends une Family qui se revend actuellement entre 4500 et 40 000 euros pour les plus optimistes. It's done, Family. Et tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Alors, en réflexion pour ce classement, on pouvait retrouver, sans ordre de préférence et sans rentrer non plus dans les détails, le nouveau modèle Nike Air Max Deluxe Photo Blue First Colorway. Beaucoup plus beau en vrai qu'en photo d'ailleurs. Il y avait aussi la petite Nike Air Safari Special Edition Atmos Monarch, le nouveau modèle Adidas, la Sobakov, la Air Jordan 3 Triple White, parfait pour l'été, la collab Mita Sneakers et Adidas Consortium Cage and Coordinate, c'est un pack. Donc voilà en gros, mais il y en a d'autres bien sûr, hein, je peux pas tout mettre, je peux pas tout, voilà. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, vous êtes cordialement invité à défoncer le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Pour tout ce qui est psychologique et problème de vue, là c'est moins garanti par contre. N'oubliez pas la liste des paires citées dans cette émission et dans la description, avec les liens bien sûr. Aussi pour information, pour le mois d'août, je vais sûrement faire moins de vidéos, d'abord parce que je vais me reposer un petit peu, mais aussi parce qu'il faut que je m'occupe de la 3ème édition OG Camp, qui arrivera en septembre, octobre, par là. Et j'ai hâte de vous montrer l'illustration, travaillée cette fois-ci avec un artiste français. Original Camper, édition 3, ça arrive. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout. Sur la chaîne, surtout sur Instagram, la mif, c'est dans la death. Portez-vous bien, vous êtes au max. Oh man, here we are.